Bonjour, je m'appelle Antoine Cunast, je suis CTO et fondateur de la startup Seifir et je viens du DUT GE2I à Grenoble. Et en parallèle, sur le début d'année 2018, j'ai lancé l'entreprise Seifir. Donc en fait, ça a pris sa source à la base d'événementiel. J'étais aussi dans des associations et j'organisais des concerts avec des amis à Lyon et à Grenoble. Je suis arrivé dans la formation GE2I après une prépa. J'avais fait un an de prépa après mon bac S et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui me convenait parce qu'en fait, pendant la prépa, je commençais à bidouiller un peu sur de l'électronique et j'essayais déjà de créer des trucs à la place de bosser vraiment les révisions des concours. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que le DUT, ça me conviendrait mieux. Et Grenoble, parce que il y avait la partie montagne et tout, et c'était aussi le côté un peu la Silicon Valley de la France, donc c'est pour ça que j'ai choisi le DUT GE2I à Grenoble. Du coup, l'accompagnement, en fait, il touche à toutes les thématiques de l'entreprise. Et je dirais que c'était vraiment grâce à cet accompagnement que j'ai pu lancer Seifir. Ils aident en fait à se poser toutes les bonnes questions, que ce soit en termes de technologie, est-ce qu'on développe la bonne technologie, mais aussi du coup d'usage, parce qu'une technologie qui sert à rien, c'est pas forcément ce qu'il y a plus intéressant pour créer une boîte. Et puis voilà, derrière, ça a été surtout des concours, du test un peu du marché, jusqu'à récolter des premiers financements et puis arriver là où on en est aujourd'hui. Du coup, Seifir, en fait, c'est une entreprise qui développe une solution de protection auditive communicante. L'idée, c'est de permettre la communication en environnement bruyant pour des gens qui ont une obligation de port de protection auditive. Donc, il faut imaginer en fait que c'est un peu comme, en termes de fonctionnalité, un peu comme un AirPod, mais qui fait protection auditive avec deux oreillettes qui sont intra-auriculaires et un petit boîtier qui embarque notre technologie, un peu comme un iPod pour le coup, 5 cm par 5 cm et qui permet la communication. Ça m'a clairement apporté toutes les compétences indispensable pour gérer un projet. J'aurais clairement été incapable de gérer une équipe ou des bureaux d'études qui développent sur des microcontrôleurs, des choses comme ça en électronique, sans connaître le sous-jacent et sans avoir moi-même mis un peu les mains dedans auparavant. Il y a des contraintes, des décalages de roadmap, des choses comme ça qui sont à prendre en compte et qu'il faut savoir accepter. Et je pense que sans le point de vue technique que j'ai eu au DUT, j'aurais clairement pas pu le gérer, quoi. Ici, certains étudiants ont des idées et tout, faut vraiment pas hésiter à se lancer. De toute façon, pour apprendre à faire ce genre de choses, monter des entreprises et tout, il faut essayer. Il n'y a rien de mieux. Vraiment pas hésiter à se lancer. Et si jamais ça fait peur ou quoi, faut pas sinon hésiter à rejoindre des startups. Par exemple, nous, on recrute des stagiaires ou même des alternants très régulièrement dans les domaines d'électronique et tout. Donc, si jamais certains étudiants sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à candidater.